Salut tout le monde, bienvenue à Milan dans ce magnifique stade de San Siro qui a fait le plein aujourd'hui. Je suis en place, c'est un Matou comme d'habitude. Je vous regarde, je vous vois. L'aventure commence aujourd'hui. Premier match de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. Je peux vous dire que le stade est plein. Grosse ambiance. On espère bien sûr assister à un super match. Je suis assez confiant pour tout vous dire. Et le début du match à l'instant. Ah oui, il peut poursuivre son action. Kramaric bien placé. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. On va voir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Face à face qui a remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Modric. C'est le moment en profondeur. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ziyech. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. Youssef El-Nesyri. Sofiane Boufal. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. À la surface, il y a du monde. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Modric. Le ballon toujours pour Modric. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Le corner de Rakitic, bien tiré. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Oh, la frappe de Mulle, la grosse frappe de Mulle, mais de Mulle. Youssef El-Nesyri. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Sofiane Boufal. Et c'est le but. Ils reviennent dans la course. Ils égalisent. C'est quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Et ils égalisent donc un but partout. Ça part bien, action dangereuse. Est-ce ce ballon qui traîne? Ziyech. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Terebic. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Très mal donné, hein, ce ballon. Sofiane Boufal. Oh, il a de la place devant lui. Et le gardien hein, qui s'interpose magnifiquement. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant.
le bel arrêt. Le bel arrêt, elle n'était pas facile à aller chercher cette tête. On a été tout près du but. Ouais, bien tiré ce corner. Sofiane Boufal. Allez, il faut centrer vite. Ah, beaucoup d'assurance hein, dans son geste. Ivan Rakitic. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ziyech. Kim Ziyech. Et non, dommage, ça va s'arrêter là. Très bonne anticipation sur ce ballon. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. L'occasion pour prendre les devants. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score, un partout. Ouais, il a fait une bonne première période, je trouve. Bilan satisfaisant sur le plan individuel. Ouais, c'était le meilleur de son équipe au cours de cette première période. Il a égalisé et il a été omniprésent, vraiment. Début à l'instant de la seconde période. Stéphane Nesiri. Allez, il peut prendre l'espace. Là, il fallait intervenir urgemment. Ce ballon qui est sorti. Bon pressing hein, du défenseur. Aminarit. Ziyech. Ziyech. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Luka Modric. Terebić. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ouais, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attention, un petit liège de la surface. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Ziyech. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, le but! Le but qui leur permet de passer devant au score! On voit ce ballon dos au but. La frappe en pivot, c'est magnifique, hein. Faut la mettre. On a atteint l'heure de jeu. Et mène à la marque désormais 2 buts à 1. Andrés Kramaric. Luka Modric. Oh, le gardien, c'est pas fini. Oh, en deux temps. Magnifique intervention. C'était chaud. Hein. Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Marcelo Brozovic. C'est sans problème pour le gardien. Cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Ballon perdu. Sofiane Amrabat. Hakim Ziyech qui perd la balle. Terebić.
Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, il y a un peu d'espace par là. Place là pour une contre-attaque. Et le contre n'ira pas plus loin. L'adversaire récupère. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Ah, il ne faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. La faute, carton peut-être. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Un joueur qui va rentrer. Il continue sa progression. Sofiane Amrabat. Il passe dans les pieds qui s'enchaînent. Harit, oh l'arrêt qui évite le pire. Deux buts d'écart, ça aurait fait beaucoup. Et cet arrêt laisse des chances d'égalisation. Il est bien tiré le corner là. Et la tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Et il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Voilà la fin de la rencontre. Avec des débuts encourageants pour cette équipe, puisqu'elle prend 3 points. Là, c'est le scénario parfait. Prendre un bon départ, c'est important. Une victoire pour commencer. Ça permet d'aborder la suite avec sérénité. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. C'est lui qui marque le but décisif. Donc, fatalement, il a énormément influencé ce résultat positif.